Tu viens d'où toi du coup? Moi je viens de Lyon. Lyon, et toi? Moi j'arrive de Saint-Émilion. Saint-Émilion. Bonjour à tous, nous sommes sur la promenade des Anglais à Nice, ou plutôt la promenade des Gazelles pour aujourd'hui. C'est la journée de départ officielle de cette 26e édition du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Un moment important pour ces femmes qui se préparent depuis plusieurs mois à cette épreuve intense et exigeante. Des femmes qui, au départ, sont pourtant bien loin d'être des professionnels de l'automobile. L'effet Carabos. Il y a un jeu de mots, on vous laisse deviner. Donc on s'est fait des cornes maléfiques et on est assorti à notre 4x4. Le 4x4 voilà. Léopard, c'est nous. Voilà. Je suis dessinatrice. Moi, je suis dans les achats de pièces automobiles. I'm office worker. I help my husband's job. Je suis architecte. Je suis comptable. Nous sommes toutes les deux infirmières. La toute première pour nous deux. Ouais, on est aventurières et on s'est dit c'est un beau challenge à qu'on se lance et on va réussir. On a dit qu'on allait rester zen. Il faut. C'est un éternel recommencement, mais on ne fait jamais le même rallye. Hein. C'est toujours un nouveau rallye, c'est toujours les nouveaux endroits, les nouveaux personnages, les nouveaux rencontres. Vous avez remarqué que les filles sont très excitées. Que tout le monde est prêt à partir, personne ne sait ce qui les attend. Et c'est ça, c'est la rare fois où vous ne pouvez pas appréhender la journée. On sait que dans quelques heures, on part et on a hâte d'y être là, ça y est, c'est bon. La pression est en train de monter un petit peu. On s'est bagarré pour participer à ce premier rallye. Donc effectivement, voilà, on a de la pression, on a de l'excitation, mais on part toutes les deux avec le même objectif, se faire plaisir. Bye bye Nippon, Nico. Bye bye Nippon. Dominique, tu es créatrice et l'organisatrice du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc depuis 1990. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, je ne m'attendais pas à un tel succès. On le rêve, mais on ne s'y attend pas. Mais il y a eu vraiment beaucoup de périodes de doute. Je me suis dit que ça ne marcherait jamais, bien entendu. Et il a fallu travailler très très dur, c'était beaucoup d'énergie. Mais c'est extraordinaire de voir tel que c'est fait aujourd'hui et comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qui pousse ces femmes qui, au départ, n'ont rien à voir avec l'automobile à faire un rallye aussi exigeant? Alors, je pense que les femmes avaient envie d'exprimer leur liberté et leurs compétences dans ce monde automobile qui n'est pas le leur. Et là, elles ont une compétition à leur hauteur. Et je crois que ce qui les pousse, c'est l'envie de se dépasser, certes, mais en même temps, dans un événement qui est libre et entre femmes. Et le rallye, c'est aussi un volet solidaire important avec l'association Cœur de Gazelle qui passe de village en village dans le sud marocain pour prodiguer une série d'actions importantes, dont une caravane médicale. Aujourd'hui, c'est la récupération des dons des gazelles qui sont triés et acheminés par les équipes de Colissimo. Matériel médical ? Les gazelles se sont mobilisées pour récolter l'ensemble des dons que vous voyez ici. Et nous allons les acheminer grâce à un transporteur officiel qui est Colissimo, qui nous emmène tous ces cartons sur le Maroc. Et ensuite, ces cartons sont triés, complètement reconditionnés. Et on les donne de manière adaptée dans les villages. Les chefs de village nous ont déjà fourni des listes des familles les plus nécessiteuses. Et nous en faisons bon usage. On fait la chaîne de solidarité. On s'installe pour Cœur de Gazelle. En octobre-novembre, nous partons sur le terrain et grâce à cela, nous pouvons identifier l'ensemble des personnes qui en ont le plus besoin. On donne de manière adaptée, on donne de manière réfléchie et on n'a pas du tout envie que ça se passe autrement. C'est la démarche aussi de Cœur de Gazelle, dans une démarche responsable avec un rallye responsable.
je pense qu'on est sur 200-300 mètres cubes de dons acheminés sur le Maroc. C'est beaucoup plus que les années précédentes et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on va pouvoir encore plus faire plaisir et puis encore plus avoir mené l'action de cœur de gazelle au sein du Maroc. Regardez, ça arrive encore, c'est magnifique. Les membres de la salsa avant de partir au Maroc. On se bouge. On le bouge. En arrière. Ok, restez là. Je vous souhaite une belle aventure et puis c'est une expérience extraordinaire à toutes les deux. Vous allez revenir changer. Tu gagnes, ok? Top départ de cette 26e édition du rallye Aïcha des Gazelles. C'est aussi le départ d'un long voyage jusqu'au Maroc. Embarquement prévu demain à Barcelone pour 30 heures de traversée jusqu'à Tanger. Et puis nos gazelles rejoindront Airfood aux portes du Sahara marocain. Ça sera mardi soir. D'ici là, bon vent à toutes les gazelles. Et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc.